trouve actuellement. Ces Zulu-là, toujours dans les versions cachées, la parole de Lopa. Donc aujourd'hui, ce n'est pas réellement un enseignement que je vais donner, mais c'est juste parler des Mongols qui sont dans le monde, parce que récemment, il y a, que ce soit dans les journaux télévisés, sur Internet, sur Google, un peu partout, il y a beaucoup de gens qui disent que les Chinois ont lancé une sonde sur la face cachée de la Lune. Donc, qui seraient entre eux, les Américains, les premiers, à aller sur la, en gros, à explorer la Lune. Et ça, ça me fait réellement bien rire. Il n'y a que des Mongols, des attardés mentaux, qui vont accepter ces gens d'hérésie. Déjà, quand vous voyez la, les images de soi-disant de la sonde qui va se poser sur la face cachée de la Lune, vous voyez que ce sont des images en 3D. Ce sont c'est comme des jeux vidéo. Donc, on ne peut que tromper des moutons pour accepter ces gens d'hérésie. Et j'ai déjà démontré une bonne fois pour toutes qu'aucun homme sur cette terre n'est allé sur la Lune. Donc même les Américains, les images qu'ils montrent, qui sont posées sur la Lune, j'ai démontré que c'était faux. Et aussi, les Chinois n'ont rien envoyé sur la face cachée de la Lune. Maintenant, quand on dit face cachée par rapport à qui, à quoi, tout dépend où on se place. Donc, pour les scientifiques, les archéologues, les astronomes, ainsi de suite, et beaucoup de gens qui se disent éclairés, ils disent que la Lune, c'est un rocher, que c'est tout simplement un rocher qui brille, et que c'est le soleil, les rayons du soleil qui font briller la Lune. Et moi, je me rends encore bien rire, parce que vous ne savez rien du tout. Donc, je dis encore, à tous ceux qui pensent que les Chinois ont envoyé une sonde spatiale se poser sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, je vous dis que c'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est une usurpation, c'est du mensonge. Et comme je dis, il n'y a que des Mongols, des attardés mentaux, des gens qui sont dépourvus de spiritualité pour accepter ces gens d'hérésie. Personne n'allait sur la Lune, il n'y a aucune image réelle qui existe. L'image où soit que les Américains sont posés déjà sur la Lune, j'ai démontré que c'était faux. Il y a aussi même quelques scientifiques, quelques chercheurs américains qui ont aussi démontré que le gouvernement américain ou bien la NASA n'a jamais envoyé, ne s'est jamais posé sur la Lune. En gros, les hommes ne se sont jamais posés sur la Lune. À votre époque, dans votre réalité. Donc, ces Zoulous-là, c'est pour vous avertir que Satan est, en gros, est en train de travailler. Le monde occulte est en train de travailler. Ils sont en train d'apporter le grand mensonge dans le monde. Et beaucoup vont, sont dupes qui vont tomber là-dedans, là, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez les extraits des vidéos que vous voyez dans... on va dire dans cette vidéo, vous voyez que l'image, comme j'ai dit depuis le début, que les Chinois ont envoyé la sonde sur la face cachée de la Lune est complètement faux. Parce que quand vous voyez même la fumée déjà, ça on dirait l'Atari. Pour ceux qui ont connu l'Atari, les jeux vidéo, l'Atari à l'époque, ou bien des images en 3D, c'est exactement ça. Non mais, où est-ce que va le monde? Mais vous allez où? Jusqu'à quand on va vous mentir, vous allez toujours accepter. Que les Chinois, maintenant les Mongols, ils envoient une sonde spatiale sur la face cachée de la Lune, et vous acceptez facilement, alors qu'il n'y a même pas de preuves, et ils montrent des images de synthèse, et ils montrent des images en 3D, et vous acceptez. Y compris les Américains. Pourquoi les Américains, là, maintenant, ne félicitent pas les Chinois? Parce que tous, ils sont dans la combine. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. À quand maintenant l'Europe va s'y entrer pour mentir aussi les gens? Ça, c'est un mensonge collectif pour tromper le peuple noir. Tout ceci a pour but de faire croire à l'homme noir que lui, il est petit, qu'il n'avancera jamais, qu'il est toujours arrière, en arrière, par rapport à la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui est en face de vous, maîtrise toutes les connaissances. Oubliez les connaissances à venir et les connaissances
actuelle, car il est la connaissance. L'OPA s'est encore glorifié. Un engin spatial chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune